Previousment dedans, Annie Last Hope. Au site Tabernacle. Pourquoi je crois cet accent? Bah, des fois, les séries, quand tu les télécharges, c'est pas la version française. Non, c'est la Tabernacle. Et voilà, c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Un épisode spécial Tabernacle. Comment ça, monsieur K, tu vas pas parler tout le long avec cet accent? Bah, je vais me gêner, qu'est-ce que tu crois? Allez, monte dans la guidoune, je t'emmène. Et je vais les défoncer. Bonjour, je suis l'ambassadeur de l'amour. Ou quelque chose assimilé, quoi. Qu'est-ce que je fous dans cette salle, moi? Il me suis perdu, ça y est. Ça va barder. Munitions. Tendu, mais juste comme il faut. C'est la guerre? Ça va être la guerre. La guerre maintenant? C'est moi. Ah, moi qui croyais qu'il fallait flinguer tout le monde, je suis déçu. On y va. Run, run, run. Thank you.
vois pas quoi dire en face de ça. Ça va être tendu, un char contre un arc. Ça va être long, pénible, douloureux. Bref, la guerre. Aïe. Oh là là, ce qui me met. Ah, il veut pas que je vienne dessus. Oh non, oh non, non, oh non, 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 non. Des munitions, des munitions, il me faut des munitions. Ouais, je dois charmer ma peau sur cette action. J'avais prévenu. Alors la deuxième phase est méchante. Ah, je m'installe. Va falloir faire preuve de sang-froid. Mais n'est-ce pas ce que j'ai montré depuis le début? Oh, faut tout refaire.
Oh, tourne, 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 tourne. Ah, je donne pas cher de moi. Où je suis. Petit moment, ça va être un grand moment pour moi. Tu crois? On était amis, ça c'était au début. Je crois que tu ne viens pas de te rappeler de ce qui s'est passé il n'y a même pas 5 secondes. Let's blow this head off, please. Oh yeah. Oh. Ça, c'est check. Didapen, oui bah je m'y attendais un peu, les survivalistes, je vous avais dit, c'est pas doué sur la durée. Hein. Il y a un moment ou un autre, ils font une connerie. Ils se sont tous fait exécrucher, exécrucheter, exterminer quoi. Oui, il y a un film qui utilise ce genre de réplique, je vous laisse trouver. Exécrucher.
caput d'un pitchoun. Ça doit être à l'étage. Non, tant pis, porte-moi en dessous. Mais, what's happening? Et oui, les fameux hommes en noir qui poursuivaient Jack et l'ont certainement kidnappé. Et notre gros lâche couard, qui n'a même pas été protégé par ses stocks de billets. Comme quoi, il y a une moralité, hein, quelque part. Hein. Ça marche pareil pour les virus, les gens, hein, je vous préviens. Ces personnes qui se croient protégées par un compte en banque, c'est assez rigolo. Elles n'ont pas idée de comment on les fera cuire. Il y a des drôles de mélange, là, dites donc. Ah, le sample B a l'air pas mal. Hein. C'est peut-être le fameux professeur marseillais. Le mec qui se prend un petit peu pour... plus haut que ses fesses. Plus haut que son... trou de nu, on va dire, pour être précis. Oui. C'est peut-être un cousin, monsieur Flap, en fait, Didier Roux, non? Puisqu'il a vraiment la tête, non? C'est moi qui confonds. Regardez bien. Trouvez une photo de lui. Regardez. Cette bouche en forme de... Je m'égare? Non, pas du tout. Pas du tout, croyez-vous. Je vais l'appeler Monsieur Flap dorénavant. Monsieur Flap 2. Alors pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est Monsieur Flap, je vous recommande de chercher sur YouTube une série d'animations françaises. Très délurées. Mais alors plus délurées que The Big Game of Ski, quoi. C'est particulier comme humour, il faut aimer. C'est un peu comme des fluides glaciales, quoi. Voire Harakiri, peut-être. Tu l'as mis où? Ça peut se faire après, t'inquiète. C'est cuit. Non, c'était l'ascenseur, je rigole. Oh là là, si on peut plus rigoler. Sim, que voulait-il dire par là? Peut-être qu'il n'aime pas les rhododendrons. Alors là, il est très très vieux, vous reconnaîtrez. Moi-même, je connais pas ce morceau. C'est juste la pochette qui me faisait rire avec la bouille de Sim dessus. Ça va saigner, je sens. Alors, on va s'équiper comme il faut. Un petit pompe, hein. Attends deux secondes. J'ai économisé les balles. Hein, tu peux faire. Vu qu'on n'est pas là juste pour plaisanter. Finalement, l'arc, c'est bien. Jack est entré, suivi de trois personnes. Et ils se sont fait attaquer. Oh, cet ordinateur, de toute façon, c'est le meilleur ordinateur du monde, si vous regardez bien. Oui. Il y a même le petit logo à droite, vous avez vu? Amiga! Ah, ce jeu est vraiment geek jusqu'au bout des voxels, quand même. C'est génial.
Faut que j'arrête de dire des compliments sur le jeu parce que les gens vont être persuadés que j'ai été payé pour ça. Alors c'est pas du tout le cas, hein. Je vous garantis que je suis gaga de ce jeu parce qu'il correspond exactement à un truc dont j'aurais rêvé. Ça va être tendu les temps de recharge. Puis s'il commence à être costaud, je vais peut-être sortir de quoi distribuer du pruneau. Serais-je dans le laboratoire des monstres plantes? Vas-y, Eve, lève-toi. M'inspire pas, c'est tout. Oh, 3, ça fait beaucoup. Oui, oui, bah, je préfère mieux que ce soit eux que moi. Non, je peux péter du décor, on va voir si c'est pas du bonus planqué un petit peu. Dame de yes. Faut que je sois prêt à changer d'arme. Ça me rappelle le passage du professeur Jones. Où il y a des dalles, elles sont bonnes, et d'autres, elles sont moins bonnes. Et puis il y en a, elles sont pas du tout bonnes, quoi. Ah, ah, ah. Mais c'est les hommes crabes. Les hommes crabes. Ah, mais j'ai plus de munitions. Ah! Heureusement qu'ils sont très relous. Faut que je trouve d'urgence... Bah non, faut que je les laisse passer là-dessus pour tester toutes les dalles, hein, parce que... Je pense que je vais avoir une mauvaise surprise à un moment ou à un autre. Si je me répare un petit peu, ah, ça y va mieux là. Reste sur les dalles qui tiennent, n'avance pas trop vite. Je suis pas très confiant, ça, je sais pas. Celle de droite, elle m'inspire pas du tout, elle est vraiment trop propre. Celle de gauche non plus, hein, je dirais. C'est les rouges encore moins. Il m'a foutu le doute ce jeu là, je suis pas bien. Oui, je reste sur deux dalles, comme ça, si on a une qui se pète, j'ai une petite chance de m'en sortir. On m'a mis le stress. Yo, les kids, ça biche? Ah, mais ils sont derrière une vitre. Toutes ces munitions gaspillées, quel dommage. Hein, hein, par où je passe, moi, du coup? Au moins, j'ai un fan club, c'est sympa. J'ai pas envie de me casser la gueule sur une dalle qui pète. Je serais très très contrarié. What's the bird? Allez-y les gars, allez-y, allez-y, je vous sens bien. Il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour tout le monde. Attention le truc, ça, j'avais prévenu. Plus un peu de munitions. Oh là là, c'est quoi ça? Je veux pas savoir. Ok, t'es pas content. Attention le trou, madame, monsieur. Ah mais ils contournent, ils sont pas trop bêtes, hein, par rapport à la moyenne. Bien des bonus, des munitions en particulier. Ça va mal se terminer cette affaire. Pour moi, hein, pas pour eux. Elles sont arrivées un peu tardivement, ces munitions, c'est moi. Ah, je suis mort en marchant sur quoi? De l'acide? Faut faire attention à tout sur ce niveau.
Un petit bonus. Alors je me suis comporté d'une manière exemplaire. Je vais voir si c'est pas un petit bonus. Voilà. Allez, voilà les munitions. On va descendre faire un petit tour. Everything gonna be alright. Peut-être. Oui, je lui dis qu'est-ce qui se passe. J'ai un peu de statique hein, sur articule quoi. Jambon beurre ou jambon fromage. J'ai rien compris. Mais non, c'est pas dangereux. C'est puis de toute façon, je vais chercher un Jack. Il faut que je le sauve. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. J'ai pas affronté un tank mutant il y a pas 10 minutes. Ok. Rendez-vous au prochain niveau. Si j'y arrive. Parce que c'est pas avec le stock de munitions que je me trimballe, la Franck me manque beaucoup. Quoi. Et ils m'ont dit leur munitions. On va aller faire un petit peu de gin tonic. Je vais juste vérifier qu'il y a pas un petit belux pour Billy. Ce serait sympa. Mais vraiment beaucoup quoi. Comment ça y en a pas? Ok. Oh si 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 je prends. Bibi, Bibi, viens là. Hop là. Ouf, et encore, tiens. Cadeau. Attends, je regarde, ouais, c'est vrai que... Je reviendrai quand c'est ouvert. Ça a l'air sympa. The door is Elisa. Eh ben oui. Je regardais un petit truc à la télé, machin. Je l'ai déjà vu en plus, celui-là. Non, je ne t'aiderai pas. Chacun ses ennuis. J'ai vu ça comme j'économise. Hop, 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 encore le chef. Pas de misère, je vais plus économiser du tout, je vais même pas compter mes balles. Je vais y aller joyeusement. Salut gros. Oui, je me souviens de toi. Ah, y a rien là-dedans. Ça va mal se passer pour moi. Bouge pas gros, j'arrive. J'ai plus d'armes. Ça va mal se passer. Oh la buse. Je mets 2 heures à recharger en plus. Bon, c'est mort, j'ai plus aucune arme. Oh là là, ça sent la mort.
Mais j'ai plus de bandage. J'avais pas vu. Je suis salement dedans.